Jérôme Kerviel est né à Pont-l'Abbé, dans le Finistère en Bretagne où sa mère tenait un salon de coiffure. Son père fut artisan forgeron, puis maître dans un centre d'apprentissage professionnel de chaudronnerie, avant de décéder en 2006. Il résidait à Neuilly-sur-Seine au moment de l'affaire de la Société Générale 5. Il poursuit ses études au collège-lycée Laennec et obtient en 1995 son baccalauréat ES6. Après son baccalauréat, il suit un DEUG en sciences économiques au pôle Pierre-Jacquet-Elias de Quimper où il se passionne pour les chiffres. Il passe ensuite une maîtrise à l'IUP Banque et Finances de l'Université de Nantes avant d'obtenir en 2000 et avec la mention assez bien, un master management des opérations de marché à l'Université Lyon 2 en alternance 5. Pour cela, il est étudiant 4 mois à l'université et apprenti 8 mois en entreprise, dont 6 au sein de Banque Nationale de Paris Arbitrage 5. Cette formation est destinée à former plutôt des contrôleurs des opérations de traders que des traders 5. La Société Générale le recrute dès août 2000 au sein de la division Banque d'Investissement et de Financement, SGCIB, à La Défense à Puteaux. Il travaille d'abord au middle office avant de passer en 2005 au front office. Il est alors chargé de l'arbitrage sur des contrats à terme portant sur des indices boursiers. Lors des élections municipales de 2001, il figure sur la liste UMP de Pont-l'Abbé. En 2015, il déclare qu'il ne vote plus depuis longtemps, pas envie de participer à une mascarade.